vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Le spectacle se présente comme une énorme positivité indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenue par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Le spectacle est le mauvais rêve de la société moderne enchaînée, qui n'exprime finalement que son désir de dormir. Le spectacle est le gardien de ce sommeil. Le fait que la puissance pratique de la société moderne s'est détachée d'elle-même et s'est édifiée un empire indépendant dans le spectacle ne peut s'expliquer que par cet autre fait
que cette pratique puissante continuait à manquer de cohésion et était demeurée en contradiction avec elle-même. C'est la plus vieille spécialisation sociale, la spécialisation du pouvoir, qui est à la racine du spectacle. Le spectacle est ainsi une activité spécialisée qui parle pour l'ensemble des autres. C'est la représentation diplomatique de la société hiérarchique devant elle-même, où toute autre parole est bannie. Le plus moderne y est aussi le plus archaïque. La scission généralisée du spectacle est inséparable de l'état moderne, c'est-à-dire de la forme générale de la scission dans la société, produit de la division du travail social et organe de la domination de classe. Dans le spectacle, une partie du monde se représente devant le monde et lui est supérieure. Le spectacle n'est que le langage commun de cette séparation. Ce qui relie les spectateurs n'est qu'un rapport irréversible au centre même qui maintient leur isolement. Le spectacle réunit le séparé, mais il le réunit en tant que séparé. Le travailleur ne se produit pas lui-même. Il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Tout le temps et l'espace de son monde lui deviennent étrangers avec l'accumulation de ses produits aliénés. Les forces mêmes qui nous ont échappé se montrent à nous dans toute leur puissance. L'homme séparé de son produit, de plus en plus puissamment, produit lui-même tous les détails de son monde et ainsi se trouve de plus en plus séparé de son monde. D'autant plus sa vie est maintenant son produit, d'autant plus il est séparé de sa vie. Le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. La théorie critique doit se communiquer dans son propre langage. C'est le langage de la contradiction, qui doit être dialectique dans sa forme comme il l'est dans son contenu. Il est critique de la totalité et critique historique. Il n'est pas un degré zéro de l'écriture, mais son renversement. Il n'est pas une négation du style, mais le style de la négation. Dans son style même, l'exposé de la théorie dialectique est un scandale et une abomination selon les règles du langage dominant et pour le goût qu'elles ont éduqué, parce que, dans l'emploi positif des concepts existants, il inclut du même coup l'intelligence de leur fluidité retrouvée, de leur destruction nécessaire. Ce style qui contient sa propre critique doit exprimer la domination de la critique présente sur tout son passé. Par lui, le mode d'exposition de la théorie dialectique témoigne de l'esprit négatif qui est en elle. La vérité n'est pas comme le produit dans lequel on ne trouve plus de traces de l'outil. Cette conscience théorique du mouvement, dans laquelle la trace même du mouvement doit être présente, se manifeste par le renversement des relations établies entre les concepts et par le détournement de toutes les acquisitions de la critique antérieure. Les idées s'améliorent, le sens des mots y participe, le plagiat est nécessaire, le progrès l'implique. Il sert de près la phrase d'un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l'idée juste. Le détournement est le langage fluide de l'anti-idéologie. Il apparaît dans la communication qui sait qu'elle ne peut prétendre détenir aucune garantie en elle-même et définitivement. Il est, au point le plus haut, le langage qu'aucune référence ancienne et supracritique ne peut confirmer. C'est au contraire sa propre cohérence, en lui-même et avec les faits praticables, qui peut confirmer l'ancien noyau de vérité qu'il ramène. Le détournement n'a fondé sa cause sur rien d'extérieur à sa propre vérité comme critique présente. Ce qui, dans la formulation théorique, se présente ouvertement comme détourné,
en démentant toute autonomie durable de la sphère du théorique exprimé, en y faisant intervenir par cette violence l'action qui dérange et emporte tout ordre existant, rappelle que cette existence du théorique n'est rien en elle-même et n'a à se connaître qu'avec l'action historique et la correction historique qui est sa véritable fidélité. Il s'agit de posséder effectivement la communauté du dialogue et le jeu avec le temps qui ont été représentés par l'œuvre poético-artistique. Quand l'art devenu indépendant représente son monde avec des couleurs éclatantes, un moment de la vie a vieilli et il ne se laisse pas rajeunir avec des couleurs éclatantes. Il se laisse seulement évoquer dans le souvenir. La grandeur de l'art ne commence à paraître qu'à la retombée de la vie. Vous vous amusez bien, monsieur Logan? Je n'arrivais pas à dormir. Tu crois que l'alcool va t'y aider? Il m'aidera à tuer le temps, en tout cas. Et toi, qu'est-ce qui te tient éveillé? Des rêves. De mauvais rêves. J'en fais parfois, moi aussi. Tiens, ça t'aidera à les faire passer. J'ai déjà essayé, mais la méthode n'a pas réussi. Combien d'hommes as-tu oublié? Et toi, de combien de femmes te souviens-tu? La pensée de l'organisation sociale de l'apparence est elle-même obscurcie par la sous-communication généralisée qu'elle défend. Les spécialistes du pouvoir du spectacle, pouvoir absolu à l'intérieur de son système du langage sans réponse, sont corrompus absolument par leur expérience du mépris et de la réussite du mépris, car ils retrouvent leur mépris confirmé par la connaissance de l'homme méprisable qu'est réellement le spectateur. À ce mouvement essentiel du spectacle, qui consiste à reprendre en lui tout ce qui existait dans l'activité humaine à l'état fluide, pour le posséder à l'état coagulé, en tant que choses, qui sont devenues la valeur exclusive par leur formulation en négatif de la valeur vécue, nous reconnaissons notre vieil ennemi, qui sait si bien paraître au premier coup d'œil quelque chose de trivial et se comprenant de soi-même, alors qu'elle est au contraire si complexe et si pleine de subtilité métaphysique, la marchandise. C'est le principe du fétichisme de la marchandise, la domination de la société par des choses suprasensibles bien que sensibles, qui s'accomplit absolument dans le spectacle, où le monde sensible se trouve remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui, et qui, en même temps, s'est fait reconnaître comme le sensible par excellence. Le monde, à la fois présent et absent, que le spectacle fait voir, est le monde de la marchandise dominant tout ce qui est vécu. Et le monde de la marchandise est ainsi montré comme il est,
car son mouvement est identique à l'éloignement des hommes entre eux et vis-à-vis de leur produit global. La domination de la marchandise s'est d'abord exercée d'une manière occulte sur l'économie, qui elle-même, en tant que base matérielle de la vie sociale, restait inaperçue et incomprise, comme le familier qui n'est pas pour autant connu. Dans une société où la marchandise concrète reste rare ou minoritaire, c'est la domination apparente de l'argent qui se présente comme l'émissaire muni des pleins pouvoirs qui parle au nom d'une puissance inconnue. Avec la révolution industrielle, la division manufacturière du travail et la production massive pour le marché mondial, la marchandise apparaît effectivement comme une puissance qui vient réellement occuper la vie sociale. C'est alors que se constitue l'économie politique comme science dominante et comme science de la domination. Le spectacle est une guerre de l'opium permanente pour faire accepter l'identification des biens aux marchandises et de la satisfaction à la survie augmentant selon ses propres lois. Mais si la survie consommable est quelque chose qui doit augmenter toujours, c'est parce qu'elle ne cesse de contenir la privation. S'il n'y a aucun au-delà de la survie augmentée, aucun point où elle pourrait cesser sa croissance, c'est parce qu'elle n'est pas elle-même au-delà de la privation, mais qu'elle est la privation devenue plus riche. La valeur d'échange n'a pu se former qu'en tant qu'agent de la valeur d'usage, mais sa victoire par ses propres armes a créé les conditions de sa domination autonome. Mobilisant tout usage humain et saisissant le monopole de sa satisfaction, elle a fini par diriger l'usage. Le processus de l'échange s'est identifié à tout usage possible et l'a réduit à sa merci. La valeur d'échange est le condottiere de la valeur d'usage qui finit par mener la guerre pour son propre compte. La valeur d'usage qui était implicitement comprise dans la valeur d'échange doit être maintenant explicitement proclamée dans la réalité inversée du spectacle. Justement parce que sa réalité effective est rongée par l'économie marchande surdéveloppée et qu'une pseudo-justification devient nécessaire à la fausse vie. Le résultat concentré du travail social, au moment de l'abondance économique, devient apparent et soumettre toute réalité à l'apparence qui est maintenant son produit. Le capital n'est plus le centre invisible qui dirige le mode de production. Son accumulation l'étale jusqu'à la périphérie sous forme d'objets sensibles. Toute l'étendue de la société est son portrait. Le spectacle, comme la société moderne, est à la fois unie et divisée. Comme elle, il édifie son unité sur le déchirement. Mais la contradiction, quand elle émerge dans le spectacle, est à son tour contredite par un renversement de son sens, de sorte que la division montrée est unitaire, alors que l'unité montrée est divisée. C'est la lutte de pouvoirs qui se sont constitués pour la gestion du même système socio-économique qui se déploie comme la contradiction officielle, appartenant en fait à l'unité réelle, ceci à l'échelle mondiale aussi bien qu'à l'intérieur de chaque nation. Les fausses luttes spectaculaires des formes rivales du pouvoir séparé sont en même temps réelles, en ce qu'elles traduisent le développement inégal et conflictuel du système, les intérêts relativement contradictoires des classes ou des subdivisions de classes qui reconnaissent le système et définissent leur propre participation dans son pouvoir. Ces diverses oppositions peuvent se donner dans le spectacle selon des critères tout différents, comme des formes de société absolument distinctes. Mais selon leur réalité effective, de secteurs particuliers, la vérité de leur particularité réside dans le système universel qui les contient, dans le mouvement unique qui a fait de la planète son champ
le capitalisme. Le mouvement de banalisation qui, sous les diversions chatoyantes du spectacle, domine mondialement la société moderne, la domine aussi sur chacun des points où la consommation développée des marchandises a multiplié en apparence les rôles et les objets à choisir. Les survivances de la religion et de la famille, laquelle reste la forme principale de l'héritage du pouvoir de classe, et donc de la répression morale qu'elles assurent, peuvent se combiner comme une même chose avec l'affirmation redondante de la jouissance de ce monde n'étant justement produit qu'en tant que pseudo-jouissance qui garde en elle la répression. À l'acceptation béate de ce qui existe peut aussi se joindre comme une même chose la révolte purement spectaculaire. Ceci traduit ce simple fait que l'insatisfaction elle-même est devenue une marchandise dès que l'abondance économique s'est trouvée capable d'étendre sa production jusqu'au traitement d'une telle matière première. En concentrant en elle l'image d'un rôle possible, la vedette, la représentation spectaculaire de l'homme vivant, concentre donc cette banalité. La condition de vedette est la spécialisation du vécu apparent, l'objet de l'identification à la vie apparente sans profondeur, qui doit compenser l'émiettement des spécialisations productives effectivement vécues. Les vedettes existent pour figurer des types variés de styles de vie et de styles de compréhension de la société, libres de s'exercer globalement. Elles incarnent le résultat inaccessible du travail social, en mimant des sous-produits de ce travail qui sont magiquement transférés au-dessus de lui comme son but. Le pouvoir et les vacances, la décision et la consommation qui sont au commencement et à la fin d'un processus indiscuté. Là, c'est le pouvoir gouvernemental qui se personnalise en pseudo-vedette. Ici, c'est la vedette de la consommation qui se fait plébisciter en tant que pseudo-pouvoir sur le vécu. Mais, de même que ces activités de la vedette ne sont pas réellement globales, elles ne sont pas variées. C'est l'unité de la misère qui se cache sous les oppositions spectaculaires. Si des formes diverses de la même aliénation se combattent sous les masques du choix total, c'est parce qu'elles sont toutes édifiées sur les contradictions réelles refoulées. Selon les nécessités du stade particulier de la misère qu'il dément et maintient, le spectacle existe sous une forme concentrée ou sous une forme diffuse. Dans les deux cas, il n'est qu'une image d'unification heureuse, environnée de désolation et d'épouvante, au centre tranquille du malheur. Le spectaculaire concentré appartient essentiellement au capitalisme bureaucratique, encore qu'il puisse être importé comme technique du pouvoir étatique sur des économies mixtes plus arriérées ou dans certains moments de crise du capitalisme avancé. La propriété bureaucratique, en effet, est elle-même concentrée, en ce sens que le bureaucrate individuel, le spectaculaire diffus accompagne l'abondance des marchandises, le développement non perturbé du capitalisme moderne. Ici, chaque marchandise prise à part est justifiée au nom de la grandeur de la production de la totalité des objets, dont le spectacle est un catalogue apologétique. Des affirmations inconciliables se poussent sur la scène du spectacle unifié de l'économie abondante, de même que différentes marchandises vedettes soutiennent simultanément leurs projets contradictoires d'aménagement de la société, où le spectacle des automobiles veut une circulation parfaite qui détruit les vieilles cités, tandis que le spectacle de la ville elle-même a besoin des quartiers musées. Donc, la satisfaction, déjà problématique, qui est réputé appartenir à la consommation de l'ensemble, est immédiatement falsifié en ceci que le consommateur réel ne peut directement toucher qu'une succession de fragments de ce bonheur marchand, fragments d'où chaque fois la qualité prêtée à l'ensemble est évidemment absente.
Le spectacle est alors le champ épique de cet affrontement que la chute d'aucune union ne pourrait conclure. Le spectacle ne chante pas les hommes et leurs armes, mais les marchandises et leurs passions. C'est dans cette lutte aveugle que chaque marchandise, en suivant sa passion, réalise en fait dans l'inconscience quelque chose de plus élevé. Le devenir monde de la marchandise, qui est aussi bien le devenir marchandise du monde. Ainsi, par une ruse de la raison marchande, le particulier de la marchandise s'use en combattant, tandis que la forme marchandise va vers sa réalisation absolue. Dans l'image de l'unification heureuse de la société par la consommation, la division réelle est seulement suspendue jusqu'au prochain non-accomplissement dans le consommable. Chaque produit particulier qui doit représenter l'espoir d'un raccourci fulgurant pour accéder enfin à la terre promise de la consommation totale est présenté cérémonieusement à son tour comme la singularité décisive. Mais comme dans le cas de la diffusion instantanée des modes de prénoms apparemment aristocratiques qui vont se trouver portés par presque tous les individus du même âge, l'objet dont on attend le pouvoir singulier n'a pu être proposé à la dévotion des masses que parce qu'il avait été tiré à un assez grand nombre d'exemplaires pour être consommé massivement. Le caractère prestigieux de ce produit quelconque ne lui vient que d'avoir été placé un moment au centre de la vie sociale, comme le mystère révélé de la finalité de la production. L'objet qui était prestigieux dans le spectacle devient vulgaire à l'instant où il entre chez ce consommateur, en même temps que chez tous les autres. Il révèle trop tard sa pauvreté essentielle, qu'il tient naturellement de la misère de sa production. Mais déjà, c'est un autre objet qui porte la justification du système et l'exigence d'être reconnu. L'imposture de la satisfaction doit se dénoncer elle-même en se remplaçant, en suivant le changement des produits et celui des conditions générales de la production. Ce qui a affirmé, avec la plus parfaite impudence, sa propre excellence définitive, change pourtant, dans le spectacle diffus, mais aussi dans le spectacle concentré. Et c'est le système seul qui doit continuer. Staline, comme la marchandise démodée, sont dénoncés par ceux-là même qui les ont imposés. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent. Chaque écroulement d'une figure du pouvoir totalitaire révèle la communauté illusoire qui l'approuvait unanimement et qui n'était qu'un agglomérat de solitude sans illusion. Ce que le spectacle donne comme perpétuel est fondé sur le changement et doit changer avec sa base. Le spectacle est absolument dogmatique et en même temps ne peut aboutir réellement à aucun dogme solide. Rien ne s'arrête pour lui. C'est l'état qui lui est naturel et toutefois le plus contraire à son inclination. L'unité irréelle que proclame le spectacle est le masque de la division de classe sur laquelle repose l'unité réelle du mode de production capitaliste. Ce qui oblige les producteurs à participer à l'édification du monde est aussi ce qui les en écarte. Ce qui met en relation les hommes affranchis de leurs limitations locales et nationales est aussi ce qui les éloigne. Ce qui oblige à l'approfondissement du rationnel est aussi ce qui nourrit l'irrationnel de l'exploitation hiérarchique et de la répression. Ce qui fait le pouvoir abstrait de la société fait sa non-liberté concrète.
production capitaliste a unifié l'espace, qui n'est plus limité par des sociétés extérieures. Cette unification est en même temps un processus extensif et intensif de banalisation. L'accumulation des marchandises produites en série pour l'espace abstrait du marché, de même qu'elle devait briser toutes les barrières régionales et légales et toutes les restrictions corporatives du Moyen-Âge qui maintenaient la qualité de la production artisanale, devait aussi dissoudre l'autonomie et la qualité des lieux. Cette puissance d'homogénéisation est la grosse artillerie qui a fait tomber toutes les murailles de Chine. C'est pour devenir toujours plus identique à lui-même, pour se rapprocher au mieux de la monotonie immobile, que l'espace libre de la marchandise est désormais à tout instant modifié et reconstruit. Cette société qui supprime la distance géographique recueille intérieurement la distance en tant que séparation spectaculaire. Sous-produit de la circulation des marchandises, la circulation humaine considérée comme une consommation, le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d'aller voir ce qui est devenu banal. L'aménagement économique de la fréquentation de lieux différents est déjà par lui-même la garantie de leur équivalence. La même modernisation qui a retiré du voyage le temps lui a aussi retiré la réalité de l'espace. La société qui modèle tout son entourage a édifié sa technique spéciale pour travailler la base concrète de cet ensemble de tâches, son territoire même. L'urbanisme est cette prise de possession de l'environnement naturel et humain par le capitalisme qui, se développant logiquement en domination absolue, peut et doit maintenant refaire la totalité de l'espace comme son propre décor. Si toutes les forces techniques de l'économie capitaliste doivent être comprises comme opérant des séparations, dans le cas de l'urbanisme, on a affaire à l'équipement de leur base générale, au traitement du sol qui convient à leur déploiement, à la technique même de la séparation. Pour la première fois, une architecture nouvelle, qui à chaque époque antérieure était réservée à la satisfaction des classes dominantes, se trouve directement destinée aux pauvres. La misère formelle et l'extension gigantesque de cette nouvelle expérience d'habitat proviennent ensemble de son caractère de masse, qui est impliqué à la fois par sa destination et par les conditions modernes de construction. La décision autoritaire, qui aménage abstraitement le territoire en territoire de l'abstraction, est évidemment au centre de ces conditions modernes de construction. Le seuil franchi dans la croissance du pouvoir matériel de la société et le retard de la domination consciente de ce pouvoir sont étalés dans l'urbanisme. L'histoire qui menace ce monde crépusculaire est aussi la force qui peut soumettre l'espace au temps vécu. La révolution prolétarienne est cette critique de la géographie humaine, à travers laquelle les individus et les communautés ont à construire les sites et les événements, correspondant à l'appropriation, non plus seulement de leur travail, mais de leur histoire totale. Dans cet espace mouvant du jeu, et des variations librement choisies des règles du jeu. L'autonomie du lieu peut se retrouver, sans réintroduire un attachement exclusif au sol. Et par là,
ramener la réalité du voyage et de la vie comprise comme un voyage ayant en lui-même tout son sens. Sumatra, Hindu, Chinese, Portuguese, Filipinos, Russians, Malayan. What a witch's suburb. If anyone saw us coming in here, I'd certainly hear plenty. The other place is like kindergarten compared with this. Smells so incredibly evil. I didn't think such a place existed except in my own imagination. It has a ghastly familiarity, like a half-remembered dream. Anything could happen here. Any moment. Le temps de la production, le temps marchandise, est une accumulation infinie d'intervalles équivalents. C'est l'abstraction du temps irréversible, dont tous les segments doivent prouver sur le chronomètre leur seule égalité quantitative. Ce temps est, dans toute sa réalité effective, ce qu'il est dans son caractère échangeable. Le temps général du non-développement humain existe aussi sous l'aspect complémentaire d'un temps consommable qui retourne vers la vie quotidienne de la société à partir de cette production déterminée comme un temps pseudo-cyclique. Le temps pseudo-cyclique est celui de la consommation de la survie économique moderne, la survie augmentée, où le vécu quotidien reste privé de décision et soumis non plus à l'ordre naturel, mais à la pseudo-nature développée dans le travail aliéné. Et donc ce temps retrouve tout naturellement le vieux rythme cyclique qui réglait la survie des sociétés pré-industrielles. Le temps pseudo-cyclique, à la fois, prend appui sur les traces naturelles du temps cyclique et en compose de nouvelles combinaisons homologues. Le jour et la nuit, le travail et le repos hebdomadaire, le retour des périodes de vacances. Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation des images au sens restreint et comme image de la consommation du temps dans toute son extension. Le temps de la consommation des images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où s'exercent pleinement les instruments du spectacle et le but que ceux-ci présentent globalement comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières. L'image sociale de la consommation du temps, de son côté, est exclusivement dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à distance et désirables par postulat, comme toute marchandise spectaculaire. Cette marchandise est ici explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, dont il s'agit d'attendre le retour cyclique. Mais dans ces moments mêmes assignés à la vie, c'est encore le spectacle qui se donne à voir et à reproduire, en atteignant un degré plus intense. Ce qui a été représenté comme la vie réelle se révèle simplement comme la vie plus réellement spectaculaire. Tandis que la consommation du temps cyclique des sociétés anciennes était en accord avec le travail réel de ces sociétés, la consommation pseudo-cyclique de l'économie développée se trouve en contradiction avec le temps irréversible abstrait de sa production. Alors que le temps cyclique était le temps de l'illusion immobile vécue réellement, le temps spectaculaire est le temps de la réalité qui se transforme, vécue illusoirement. Ce qui est toujours nouveau dans le processus de la production des choses ne se retrouve pas dans la consommation, qui reste le retour élargi du même. Parce que le travail mort continue de dominer le travail vivant, dans le temps spectaculaire, le passé domine le présent. Comme autre côté de la déficience de la vie historique générale, la vie individuelle n'a pas encore d'histoire. Les pseudo-événements qui se pressent dans la dramatisation spectaculaire n'ont pas été vécus par ceux qui en sont informés. Et de plus, ils se perdent dans l'inflation de leur remplacement précipité à chaque pulsion de la machinerie spectaculaire. D'autre part, ce qui a été réellement vécu est sans relation avec le temps irréversible officiel de la société et en opposition directe au rythme pseudo-cyclique du sous-produit consommable de ce temps. Ce vécu individuel de la vie quotidienne séparée reste sans langage, sans concept
sans accès critique à son propre passé qui n'est consigné nulle part. Il ne se communique pas. Il est incompris et oublié au profit de la fausse. Le spectacle, comme organisation sociale présente de la paralysie de l'histoire et de la mémoire, de l'abandon de l'histoire qui s'érige sur la base du temps historique, est la fausse conscience du temps. Sous les modes apparentes qui s'annulent et se recomposent à la surface futile du temps pseudo-cyclique contemplé, le grand style de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la révolution. Egyptian Comprador? No, I'm a doctor. Dr. Omar of Shanghai and Gomorrah. Any relation to the poet Omar? A book of verses underneath the bow? A loaf of bread, a jug of wine, and thou beside me singing in the wilderness. You said Dr. Omar. Doctor of what? Doctor of nothing, Miss Smith. It sounds important and hurts no one, unlike most doctors. And you're Venus. Is it as real as your title? Where were you born? My birth took place under a full moon on the sands near Damascus. My father was an Armenian tobacco dealer and was far away. And my mother, the less said about her, the better. She was half French, and the other half is lost in the dust of time. In short, I'm a thoroughbred mongrel. I'm related to all the earth, and nothing that's human is foreign to me. Then perhaps you can explain how our friend suddenly vanished. We were alone since I first saw you. Le raisonnement sur l'histoire est inséparablement raisonnement sur le pouvoir. La Grèce a été ce moment où le pouvoir et son changement se discutent et se comprennent, la démocratie des maîtres de la société. Là était l'inverse des conditions connues par l'État despotique, où le pouvoir ne règle jamais ses comptes qu'avec lui-même, dans l'inaccessible obscurité de son point le plus concentré, par la révolution de palais, que la réussite ou l'échec mettent également hors de discussion. Quand la sèche chronologie sans explication du pouvoir divinisé parlant à ses serviteurs, qui ne veut être comprise qu'en tant qu'exécution terrestre des commandements du mythe, peut être surmontée et devient histoire consciente, il a fallu que la participation réelle à l'histoire ait été vécue par des groupes étendus. De cette communication pratique entre ceux qui se sont reconnus, comme les possesseurs d'un présent singulier,
qui ont éprouvé la richesse qualitative des événements comme leur activité et le lieu où ils demeuraient, leur époque, naît le langage général de la communication historique. Ceux pour qui le temps irréversible a existé y découvrent à la fois le mémorable et la menace de l'oubli. Hérodote d'Halicarnasse présente ici les résultats de son enquête afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes. Bonsoir, York. Bonsoir, mon général. Si nous prenions un peu de café, tenez-vous prêt pour une campagne d'hiver. Et plus longue encore si c'est nécessaire. Ça fait longtemps que j'espère recevoir cet ordre. Bien sûr, je n'ai rien entendu. Bien sûr, Kirby. Si vous échouez, je puis vous affirmer que le conseil de guerre qui vous jugera sera composé de nos anciens compagnons du Shenandoah. Je les choisirai moi-même. Le Shenandoah. Je me demande ce que les historiens écriront plus tard sur le Shenandoah. La victoire de la bourgeoisie est la victoire du temps profondément historique, parce qu'il est le temps de la production économique qui transforme la société en permanence et de fond en comble. Aussi longtemps que la production agraire demeure le travail principal, le temps cyclique, qui demeure présent au fond de la société, nourrit les forces coalisées de la tradition qui vont freiner le mouvement. Mais le temps irréversible de l'économie bourgeoise extirpe ses survivances dans toute l'étendue du monde. L'histoire qui était apparue jusque-là comme le seul mouvement des individus de la classe dominante, et donc écrite comme histoire événementielle, est maintenant comprise comme le mouvement général. Et dans ce mouvement sévère, les individus sont sacrifiés. L'histoire qui découvre sa base dans l'économie politique sait maintenant l'existence de ce qui était son inconscient, mais qui pourtant reste encore l'inconscient qu'elle ne peut tirer au jour. C'est seulement cette préhistoire aveugle, une nouvelle fatalité que personne ne domine, que l'économie marchande a démocratisée. Ainsi, la bourgeoisie a fait connaître et a imposé à la société un temps historique irréversible, mais lui en refuse l'usage. Il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus, parce que la classe des possesseurs de l'économie, qui ne peut pas rompre avec l'histoire économique, doit aussi refouler comme une menace immédiate tout autre emploi irréversible du temps. La classe dominante, faite de spécialistes de la possession des choses, qui sont eux-mêmes par là une possession des choses, doit lier son sort au maintien de cette histoire réifiée, à la permanence d'une nouvelle immobilité dans l'histoire. Pour la première fois, le travailleur à la base de la société n'est pas matériellement étranger à l'histoire, car c'est maintenant par sa base que la société se meut irréversiblement. Dans la revendication de vivre le temps historique qu'il fait, le prolétariat trouve le simple centre inoubliable de son projet révolutionnaire. Et chacune des tentatives jusqu'ici brisées d'exécution de ce projet marque un point de départ possible de la vie nouvelle historique. Avec le développement du capitalisme, le temps irréversible est unifié mondialement. L'histoire universelle devient une réalité, car le monde entier est rassemblé sous le développement de ce temps. Mais cette histoire, qui partout à la fois est la même, n'est encore que le refus intra-historique de l'histoire. C'est le temps de la production économique, découpé en fragments abstraits égaux, qui se manifeste sur toute la planète comme le même jour. Le temps irréversible unifié est celui du marché mondial et corollairement du spectacle mondial. Le temps irréversible de la production est d'abord la mesure des marchandises. Ainsi donc, le temps qui s'affirme officiellement sur toute l'étendue du monde comme le temps général de la société, ne signifiant que les intérêts spécialisés qui le constituent, n'est qu'un temps particulier.
Comme un même courant se développent les luttes de classe de la longue époque révolutionnaire inaugurée par l'ascension de la bourgeoisie et la pensée de l'histoire, la dialectique, la pensée qui ne s'arrête plus à la recherche du sens de l'étang, mais s'élève à la connaissance de la dissolution de tout ce qui est, et dans le mouvement dissout toute séparation. Cette pensée historique n'est encore que la conscience qui arrive toujours trop tard et qui énonce la justification post festum. Ainsi, elle n'a dépassé la séparation que dans la pensée. Le paradoxe qui consiste à suspendre le sens de toute réalité à son achèvement historique et à révéler en même temps ce sens en se constituant soi-même en achèvement de l'histoire découle de ce simple fait que le penseur des révolutions bourgeoises des XVIIe et XVIIIe siècles n'a cherché dans sa philosophie que la réconciliation avec leurs résultats. Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов, и бить на хану возмущённый, и смертный бой вести за то. Это есть наш последний решительный бой. Quand le prolétariat manifeste par sa propre existence en acte que cette pensée de l'histoire ne s'est pas oubliée, le démenti de la conclusion est aussi bien la confirmation de la méthode. Le défaut dans la théorie de Marx est naturellement le défaut de la lutte révolutionnaire du prolétariat de son époque. La classe ouvrière n'a pas décrété la révolution en permanence dans l'Allemagne de 1848. La commune a été vaincue dans l'isolement. La théorie révolutionnaire ne peut donc pas encore atteindre sa propre existence totale. Toute l'insuffisance théorique dans la défense scientifique de la révolution prolétarienne peut être ramenée pour le contenu aussi bien que pour la forme de l'exposé, à une identification du prolétariat à la bourgeoisie du point de vue de la saisie révolutionnaire du pouvoir. Engel Goltz, from Jordan? Yes, read it. What? Too late, Duva. Means we're done for. This time we failed. Too bad. Yes. Too bad. Les deux seules classes qui correspondent effectivement à la théorie de Marx, les deux classes pures vers lesquelles mène toute l'analyse dans le Capital, la bourgeoisie et le prolétariat, sont également les deux seules classes révolutionnaires de l'histoire, mais à des conditions différentes. La révolution bourgeoise est faite. La révolution prolétarienne est un projet, né sur la base de la précédente révolution, mais en différant qualitativement. En négligeant l'originalité du rôle historique de la bourgeoisie, on masque l'originalité concrète de ce projet prolétarien qui ne peut rien atteindre sinon en portant ses propres couleurs et en connaissant l'immensité de ses tâches. La bourgeoisie est venue au pouvoir parce qu'elle est la classe de l'économie en développement. Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu'en devenant la classe de la conscience. Le mûrissement des forces productives ne peut garantir un tel pouvoir, même par le détour de la dépossession accrue qu'il entraîne. La saisie jacobine de l'État ne peut être son instrument. Aucune idéologie ne peut lui servir à déguiser des buts partiels en buts généraux, car il ne peut conserver aucune réalité partielle qui soit effectivement à lui. Cette aliénation idéologique de la théorie ne peut plus alors reconnaître la vérification pratique de la pensée historique unitaire qu'elle a trahie, quand une telle vérification surgit dans la lutte spontanée des ouvriers. Elle peut seulement concourir à en réprimer la manifestation et la mémoire.
Cependant, ces formes historiques apparues dans la lutte sont justement le milieu pratique qui manquait à la théorie pour qu'elles soient vraies. Elles sont une exigence de la théorie, mais qui n'avait pas été formulée théoriquement. Le soviet n'était pas une découverte de la théorie. Et déjà, la plus haute vérité théorique de l'Association internationale des travailleurs était sa propre existence en pratique. Historique, où le bolchevisme a triomphé pour lui-même en Russie et où la social-démocratie a combattu victorieusement pour le vieux monde, marque la naissance achevée d'un ordre des choses qui est au cœur de la domination du spectacle moderne. La représentation ouvrière s'est opposée radicalement à la classe. L'époque stalinienne révèle la réalité dernière de la bureaucratie. Elle est la continuation du pouvoir de l'économie, le sauvetage de l'essentiel de la société marchande, maintenant le travail marchandise. C'est la preuve de l'économie indépendante qui domine la société au point de recréer pour ses propres fins la domination de classe qui lui est nécessaire. Ce qui revient à dire que la bourgeoisie a créé une puissance autonome qui, tant que subsiste cette autonomie, peut aller jusqu'à se passer d'une bourgeoisie. La bureaucratie totalitaire n'est pas la dernière classe propriétaire de l'histoire au sens de Bruno Rizzi, mais seulement une classe dominante de substitution pour l'économie marchande. La propriété capitaliste défaillante est remplacée par un sous-produit simplifié, moins diversifié, concentré en propriété collective de la classe bureaucratique. Cette forme sous-développée de classe dominante est aussi l'expression du sous-développement économique et n'a d'autre perspective que rattraper le retard de ce développement en certaines régions du monde. C'est le parti ouvrier, organisé selon le modèle bourgeois de la séparation, qui a fourni le cadre hiérarchique étatique à cette édition supplémentaire de la classe dominante. La classe idéologique totalitaire au pouvoir est le pouvoir d'un monde renversé. Plus elle est forte, plus elle affirme qu'elle n'existe pas, et sa force lui sert d'abord à affirmer son inexistence. Elle est modeste sur ce seul point, car son inexistence officielle doit aussi coïncider avec le nec plus ultra du développement historique que simultanément on devrait à son infaillible commandement. Étalée partout, la bureaucratie doit être la classe invisible pour la conscience, de sorte que c'est toute la vie sociale qui devient démente. L'organisation sociale du mensonge absolu découle de cette contradiction fondamentale. Le stalinisme fut le règne de la terreur dans la classe bureaucratique elle-même. Le terrorisme qui fonde le pouvoir de cette classe doit frapper aussi cette classe, car elle ne possède aucune garantie juridique, aucune existence reconnue en tant que classe propriétaire, qu'elle pourrait étendre à chacun de ses membres. Sa propriété réelle est dissimulée, et elle n'est devenue propriétaire
que par la voie de la fausse conscience. La fausse conscience ne maintient son pouvoir absolu que par la terreur absolue, où tout vrai motif finit par se perdre. Les membres de la classe bureaucratique au pouvoir n'ont le droit de possession sur la société que en se ravageant ce terrain. Das ist das Lied von der roten Fahne, die den brennenden Morgen verkündet, die über Länder und Ozeane aller bedrängten Herzen entzündet. Einmal nach all den Stürmen, wenn sich die Blutnacht erhellt, rauscht sie von allen Türmen einer eroberten Welt. Genossen, eine alarmierende Nachricht. Der Deutsche Reichstag steht in Flammen. Noch sind keine Einzelheiten bekannt, aber schon verbreitet der faschistische Rundfunk über alle Sender die Behauptung, Kommunisten hätten den Reichstag angezündet. In Wirklichkeit handelt es sich um eine groß angelegte, ungeheuerliche Provokation der Nazi-Regierung. Die Versammlung ist aufgelöst. Der Reichstag brennt. Die Nazis haben Vorwand, den sie brauchen. Die Versammlung ist aufgelöst. Sie wollen unsere Partei verbieten. Sie wollen die Stimme der Arbeiterklasse ersticken. Aber das wird ihnen nicht gelingen. Solange es Kommunisten in Deutschland gibt, und es wird die Stimme geben, solange wird der Kampf gegen Hitler nicht aufhören. Den Hitler genossen. Hitler heißt Krieg! Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte,
La révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même. L'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction. Car le prolétariat ne peut se reconnaître véridiquement dans un tort particulier qu'il aurait subi, ni donc dans la réparation d'un tort particulier, ni d'un grand nombre de ses torts, mais seulement dans le tort absolu d'être rejeté en marge de la vie. Thank you.
aux nouveaux signes de négation, incompris et falsifiés par l'aménagement spectaculaire, qui se multiplie dans les pays les plus avancés économiquement, on peut déjà tirer cette conclusion qu'une nouvelle époque s'est ouverte. Après la première tentative de subversion ouvrière, c'est maintenant l'abondance capitaliste qui a échoué. Quand les luttes antisyndicales des ouvriers occidentaux sont réprimées d'abord par les syndicats, et quand les courants révoltés de la jeunesse lancent une première protestation informe, dans laquelle pourtant le refus de l'ancienne politique spécialisée, de l'art et de la vie quotidienne, est immédiatement impliqué, ce sont là les deux faces d'une nouvelle lutte spontanée qui commence sous l'aspect criminel. Ce sont les signes avant-coureurs du deuxième assaut prolétarien contre la société de classe. Remember me. I never remember pretty women, it's so expensive. But my Japanese cameras. I can't help you. Von Straten, has he got a new boat? This is not about business, Mr. Tadez. We just want you to do us a favor. I never do favors. We only want a little information about Poland. I never give in. Poland. Quand la réalisation toujours plus poussée de l'aliénation capitaliste à tous les niveaux, en rendant toujours plus difficile aux travailleurs de reconnaître et de nommer leur propre misère, les place dans l'alternative de refuser la totalité de leur misère ou rien, l'organisation révolutionnaire a dû apprendre qu'elle ne peut plus combattre l'aliénation sous des formes aliénées. Le développement même de la société de classe jusqu'à l'organisation spectaculaire de la non-vie, mène donc le projet révolutionnaire à devenir visiblement ce qu'il était déjà essentiellement. La théorie révolutionnaire est maintenant ennemie de toute idéologie révolutionnaire, et elle sait qu'elle l'est. Michigan! En avant! Au trot! En avant! Au galop! En avant! Chargé! Not a speech, proposing a toast. In Georgian style, Luigi. How did you recognize me? I know you.
Your glasses are friends. In Georgian toast, the little story always comes first. I had a dream. I found myself in a graveyard where all the tombstones were marked in a curious way. 1822, 1826, 1930, 34. Always like that, always a very short time between birth and death. In the graveyard was a very old man. I asked him how it was that he had lived so long when everyone else in his village had died so young. But no, he told me this. Not that we die early, it is just that here on our tombstones we do not count the years of a man's life, but rather the length of time he's kept a friend. Let's drink to friendship. The scorpion, but I can't help it. It's my character. Let's drink to character. Hello, here we go. On you, Michigan. Come here.